J'ai choisi le trek comme discipline parce que c'est une vraie collaboration entre son cheval et soi-même en tant que cavalier. On partage vraiment un moment donc sur plusieurs heures d'équitation. On ne recherche pas qu'une performance technique, on recherche vraiment une performance d'entente entre ce cavalier et son cheval, avec un cheval qui a du dynamisme et du calme. Pour moi, l'objectif d'une équitation, d'une pédagogie, et pour faire progresser les cavaliers, c'est de les faire rêver. Les faire rêver dans la compétition ou aussi dans le tourisme. Donc, j'attends de ma fédération, comme toutes les autres disciplines, une reconnaissance, quel que soit le niveau à laquelle on pratique. Et tu attends, vas-y, encore un pas. Que ce soit du niveau club, du niveau initiation, jusqu'au niveau amateur élite et pour les équipes de France. Le trek, c'est une discipline qui allie à la fois la relation au cheval, la technique équestre et la nature. C'est une pratique exceptionnelle pour éduquer sa cavalerie, pour initier les jeunes et les moins jeunes à une équitation de pleine nature, tout en ayant un apport technique très intéressant. En compétition, que ce soit en équipe ou en individuel, du club jusqu'à l'international, cette discipline mérite d'être valorisée et d'être mise au cœur à la fois de la promotion de l'équitation, mais également de notre apport pédagogique au quotidien avec nos cavaliers.